Alors, on vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel et de découvrir notre chambre à l'hôtel. Ouais. À l'hôtel quoi? À l'hôtel de Disney. À l'hôtel Cheyenne. À l'hôtel Cheyenne. Alors, on a passé la journée dans le parc et puis hop, bon, c'est une autre petite vidéo pour vous faire. On va vous faire quoi? Un petit room tour. Un petit room tour. Un tout petit parce que... Tout petit? Ouais, bah c'est pas très grand, ouais. Alors, on va se mettre à l'entrée. Voilà. Voilà l'entrée. Donc là, on est à l'entrée. Donc, alors, quand on rentre, on a ça. Ça, c'est cool. Oh. Alors, on a papa qui joue avec le sèche-cheveux. Voilà, ça c'est fait. Alors, quand on rentre, on a un étagère. Et matin, et il joue encore avec le sèche-cheveux, voilà. Ah, demain, je papa, ce n'est pas un jouet, le sèche-cheveux. Non, mais demain, au moins, je vais pouvoir me coiffer. C'est bien, il y a un sèche-cheveux. Ah ouais, c'est super ça. Ouais, ça, c'est bien, par contre. Ah. Alors, donc, je recommence. Alors là, quand on rentre, on a une étagère avec plein de ça. Attends, 3, 2, 1, partez. Wow. C'était nul. Alors, donc, les amis, je recommence. Alors, quand on rentre, on a un petit coffre-fort, une étagère rangée, les valises. Là, les petits timbres, une petite étagère. Ensuite, là, on a un Corentin qui nous montrera on est où, là. Alors là, il y a un sèche-cheveux. Ouais, je crois qu'on a compris, là, jusque-là, c'est bon. Alors après, ça qui n'existait pas à l'époque des cow-boys. Ah bon, ça n'existait pas à l'époque des cow-boys. Des robinets, mais quand même avec du métal. Ah ouais, quand même. Alors là, on a le lavabo, donc là, c'est la salle de bain. Un grand miroir, les petits serviettes. Avec du savon, et regardez sur le savon ce qu'il y a. Mickey Mouse. Nous avons... Mickey. Alors papa s'est lavé les mains, il a mis de l'eau partout. Vous constaterez que papa n'a pas essuyé. Hein. Donc là on a un petit savon avec Mickey. Voilà, trop beau. Et puis ensuite des petits verres, serviettes, des mouchoirs, c'est super. Les serviettes là-haut. Bon, des toilettes. Regardez, il manque encore. Ouais, enfin, la tête de Mickey. Ouais, il en manque un peu la tête de Mickey. Donc ça c'est une chasse. Il a la baignoire. C'est passionnant. Wow. Et une super grande baignoire. Regardez ça. Avec la tête de Mickey. Avec dedans, c'est tout en bois. Voilà. Donc là, c'est la salle. Regardez la tête de Mickey. Et des gels douche avec Mickey. Alors, tu vois la baignoire, louloute? Oh, elle est belle. Ouais, elle est assez grande. Regarde le truc là. Ça, c'est ouais, alors là, je crois qu'on va pouvoir prendre un bain parce qu'on vient d'entrer du parc et on est bien fatigué. Alors, ensuite, donc là, on a le fameux sèche-cheveux qui amuse tout le monde. Voilà. Là, on a moi en mode. Vlogueuse. Vêtements de ski. Ouais, vêtements de ski parce que nous on a froid, on vient du sud, hein, faut dire. Alors, voilà. Alors ensuite là on a. C'est tout sympa. On a rangé une valise, là on a de quoi pour les petits rideaux. Voilà, les petits rideaux c'est sur le thème des cowboys de Woody. Regardez. Ouais, super rideau. Ouais, alors là on rentre dans la chambre. Alors là, on a une grande télé quand même avec chaîne Disney. Là on vient d'arriver, la télé était déjà allumée, la petite lumière avec. La boîte de Woody qui était éclairée aussi. Là, on a Woody, vous voyez. Elle est trop belle. Alors là, c'est un grand bureau. Et là, il y a un fer à avec, enfin, une grande commode plutôt. Avec plein de grands tiroirs pour pouvoir ranger les affaires. Vous voyez, il y a 6 grands tiroirs. On va pouvoir ranger tout à l'intérieur. Alors là, ensuite, on a quoi? Un fer. En fait, c'est un fer à cheval, mais il y a une vitre. Il est trop beau. C'est un miroir fer à cheval, il est vraiment trop beau. Mmh. Avec une petite banquette, on a mis nos vêtements en vrac, bien sûr, on vient d'entrer. Hein. Là, on a une super fenêtre, très grande. Mmh. Petit, ça par contre, on n'en aura pas besoin parce qu'on est l'hiver. Hein. Mais c'est bien ça l'été pour se rafraîchir. Là, on a un papa qui est en train de se cacher, qui est couché sur le lit. On a un tableau. Et il a déjà mis tout un foutoir sur le lit. Voilà. Donc il était super bien fait quand on est arrivé, mais comme il a sauté dessus, voilà. Ça ressemble à rien. Oh, regardez. Il est bien en tout cas. Il y a un tableau. Oh, là là, trop ouais. Bien. Oh. Un tableau du Far West, trop chouette. Oh, il y a pile-poil. Et là-haut, on a une frise avec des lampes. Avec Woody, toujours. Là, on a Woody. Il y a Jessie et pile-poil. Et là, on a une frise avec pile-poil, Woody. Jessie. Jessie, oui. Avec des chapeaux de cow-boy, des coffres à tout. Alors ici, nous avons le lit. Alors c'est une place. Alors c'est pour Corentin et Océane. Alors il est magique. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Loulou? C'est un lit tiroir. Là, on peut dormir. Et oui, c'est un lit gigogne, on appelle et ça. Et là, moi, je dors. Et toi, tu dors dans le tiroir. Et là, on ferme le tiroir. Océane, elle est sous le lit. Ah,
C'est Corentin qui dort ici. Alors, c'est plutôt astucieux comme ça. On a une grande, grande chambre quand il n'y a pas le deuxième lit. Oh, on ne met pas les pieds sur le lit. Hein, on va éviter. Donc, ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une chambre très, 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 très grande quand même. Parce que quand il n'y a pas le lit, voilà, toute la place qu'on a. Et en même temps, ça fait canapé. Alors, voilà pour le petit room tour. Alors, je pense que je vais vous faire un hôtel tour. Et puis, après, ben, on va vous laisser et nous, on ira manger. Alors voilà pour l'hôtel tour. Alors c'est simple, là je sors de notre chambre qui est ici. Alors on a une petite étoile de shérif avec une super belle porte. On a des éclairages tout le long avec des cow-boys. Donc là c'est le long couloir sur le thème du Far West. Donc on va aller vers la sortie. Vous voyez, là on est dans un bâtiment, mais c'est assez particulier parce que vous allez voir. Là je vais descendre. Donc voilà, c'est grand, hein. C'est super grand. Donc là on va descendre, et je vais vous montrer un peu dehors, parce qu'en fait c'est pas un hôtel comme tous les hôtels Disney, ou les hôtels normaux, enfin, c'est un peu comme le thème du Santa Fe, c'est-à-dire c'est plusieurs petits hôtels dans une rue. Alors, regardez, je vais vous montrer. En fait là on est, il y a des couloirs, encore des couloirs, donc là on va rentrer par la porte, enfin on va sortir plutôt par la porte, donc là on y va, là, super petit cadre. On y va, et là on est dehors. Et là on est où? On est dans une ville du Far West. Alors bien sûr il fait nuit. Alors je pense que je vous filme ça de jour. Voici ce que je vous disais, là on est le lendemain et les lits ont été ouverts, donc ça fait un seul grand lit ou alors deux petits lits côte à côte, donc c'est vachement grand au final et il est au même niveau. Alors bien sûr quand on replie, on a la chambre qui a beaucoup plus de place. Alors, par contre nous on a dormi, donc on a mis un peu le bazar, mais bon c'est ça va quoi. Dites-nous si vous êtes déjà venu dans l'hôtel Cheyenne, pourquoi pas, et puis si ça vous a plu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mettre un petit pouce vers le haut, un petit regardez pouce bleu un petit comme pouce... le bonnet de Corentin. Et aussi les oreilles vers le haut, regardez. Pouce vers le haut. Bleu comme mon déguisement. Ouais, et puis si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait? Abonnez-vous. Abonnez-vous et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait le gros bisous. Bisous les amis, ciao ciao.